une question trop présente dans les milieux chrétiens. Pourquoi est-ce que c'est toujours difficile pour moi alors que ça semble être facile pour les autres? Pourquoi est-ce que pour moi ça doit toujours être compliqué? Pourquoi je dois passer par ces chemins compliqués alors que les autres prêtent une route, un chemin qui semble être facile? J'ai une réponse. La réponse est que tu es un pionnier. Vous devez savoir, dans la façon dont Dieu fonctionne, il ne peut pas donner à une personne la responsabilité de conduire un bon nombre de personnes à une destination que cette personne n'a jamais visitée. Et comme ça, réaliser que il est important et il est même impératif que Dieu t'amène toi-même dans la destination avant d'y amener les autres. Prophète, tu parles de quoi? Je te rappelle l'histoire de Moïse. Moïse est celui qui a amené ou bien qui est passé avec le peuple dans les déserts. Mais vous devez comprendre que Moïse, lorsqu'il a tué un Égyptien, il a fui par les déserts. Et lorsqu'il a reçu l'appel, il est revenu par les déserts. Et lorsqu'il a pris les enfants d'Israël, ils sont partis dans les déserts. Comprenez que Moïse a fait les déserts deux fois avant d'y amener le peuple. Une des raisons majeures, je ne dis pas que c'est la seule raison, mais une des raisons majeures qui a fait en sorte que Moïse n'entre pas dans la terre promise, c'est parce que justement, dans toute sa vie, de toute sa vie, il n'y était jamais entré. Pourquoi pas Aaron? Parce qu'il n'y était jamais entré. Mais pourquoi Josué? Parce que si vous vérifiez, vous trouverez que Josué était parmi les espions qui étaient entrés. Comprends alors que tout ce dont tu es en train de vivre, tout ce par quoi tu es en train de passer, ce n'est pas pour te tuer, mais Dieu est en train de forger un homme en toi, de forger une femme en toi, de forger des capacités en toi, de presser l'orange que tu es pour en sortir le jus qui est la meilleure des choses, pour sortir la meilleure version de toi, afin que tu sois capable d'aider des hommes et des femmes autour de toi qui auraient peut-être à parcourir le même chemin ou bien la même route que toi. Enfin, de les permettre d'arriver à destination. Ne te plains plus, pionnier. Shalom. Abonne-toi au cas où tu n'es pas abonné et partage la vidéo pour permettre à plusieurs d'être bénis comme toi. Shalom.